Pierre Beaulieu, chef de pupitre au Devoir, tu as commencé dans le journalisme il y a assez longtemps, tu as une quarantaine d'années. Peux-tu m'expliquer un peu ce qui t'a amené à ce métier? Le hasard. J'avais besoin d'un travail et je me suis dit pourquoi pas, journaliste, pourquoi pas. Alors je me suis présenté au Journal de Montréal parce que je me disais, bon, la presse, le Devoir, c'est impossible. Un vendredi après-midi de septembre, je rencontre Jacques Beauchamp. Qu'est-ce que tu vas étudier en quoi? Je lui dis ça, bon. Je lui dis, tu commences lundi. OK. Donc, c'était une autre époque aussi, là. Il y avait de l'abondance, il y avait beaucoup de place. Oui, puis je suis tombé la bonne journée. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, tu t'es ramassé ici, finalement, au Devoir. Pourquoi comme chef de pupitre plutôt que comme journaliste? Bien, j'ai écrit longtemps, surtout à la presse, où j'étais, après les sports, j'étais au culturel. J'étais pendant 9-10 ans critique de disques, de spectacles et tout ça. Puis écrire tous les jours, je trouvais ça essoufflant. J'avais fait du pupitre aussi à la presse. Et puis, après une année sabbatique, bien, il y avait un poste de disponible au Devoir. J'ai appliqué, je l'ai obtenu. Donc, je profite de la fébrilité d'un quotidien, de la nouvelle quotidienne, etc., sans devoir écrire chaque jour. Et je trouve ça aussi créatif, finalement, faire un journal, concevoir une lune, que d'écrire un texte. C'est une autre Alors, forme en de quoi, créativité. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que c'est un chef de pupitre? Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est le chef d'orchestre de la salle, quoi? Disons, on peut diviser la salle de rédaction en deux. Il y a des journalistes qui vont chercher la nouvelle. Et il y a ensuite le pupitre qui met ça sous forme journal. C'est-à-dire que, par exemple, si demain matin, on vendait le contenu du journal d'aujourd'hui sur papier 8,5 par 11, imprimé à double interligne, broché dans le coin, on n'en vendrait pas beaucoup. Pourtant, ça serait exactement la même nouvelle. Donc, c'est de mettre tout ça en forme pour faciliter la lecture, pour la rendre plus agréable, plus intéressante. Les gens veulent s'informer, évidemment. On connaît les intérêts de nos lecteurs. Si j'étais à la presse ou au Journal de Montréal, je ne ferais pas du tout la même une que je fais ici. Ici, nos grands axes, c'est politique, société, culture, économie. Donc, on choisit en fonction de ça. Et bon, évidemment, quand on a des exclusivités, ça facilite les choses. Tu enseignes le journalisme aussi à l'UQAM depuis de nombreuses années. Est-ce que tu enseignes les pupitres? Ça s'enseigne? Presse quotidienne. Un petit cours de pupitre, mais journalisme quotidien. C'est-à-dire que j'envoie les étudiants et étudiantes couvrir les conférences de presse, etc. Okay. Ils reviennent. Donc, tu en formes des journalistes, évidemment, c'est... J'imagine que tes conséquences, parce que tu crois qu'ils vont pouvoir travailler. Oui, alors il y en a que plusieurs dans la salle ici. Dans la salle ici, mais c'est à peu près le seul job qui reste dans le milieu, en tout cas, d'après ce qu'on entend. Es-tu confiant quand même pour eux? Trouves-tu qu'ils vont réussir à se placer et à trouver des jobs? Ben, j'ai l'impression que oui. On a prédit la mort du livre avec l'arrivée d'Internet. On prédit la même chose pour aux journaux, mais bon, j'ai confiance en la version papier de l'information.